Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir à vous au Théâtre Arden de Saint-Albert. Bonsoir à vous à la maison. La télé française en Alberta célèbre ce soir ses 20 ans. 20 ans, c'est grâce à ceux qui regardent la télévision, grâce à ceux qui font de la télévision, et aussi 20 ans, c'est grâce à ceux qui ont payé pour la télévision. Oui, bien sûr. Et pour vous remercier, nous vous offrons un cadeau. Ce spectacle qui met en vedette des artistes de chez nous, que vous connaissez et que vous aimez sûrement. Certains sont encore parmi nous. D'autres reviennent de là où leur talent, leur succès les ont menés. Gabrielle Bugeaud, par exemple. Partie de Falaire, elle poursuit maintenant sa carrière au Québec, où elle a fait sa marque dans le milieu du disque. Philippe, dans le milieu du disque, vous n'y pensez pas. C'est pas tant le centre du disque qui l'a fait connaître, mais bien la chanson autour. Hein? Et c'est justement cette chanson qu'elle nous interprète ce soir. Gabrielle Bugeaud, c'est bien toi. Le colère, un petit geste suffit. Moi je m'inquiète des peines du cœur. Surtout je déteste l'ennui. Toi qui disais autre chose et d'une voix qui me parle de mal. La vie n'est pas une rose. Mais cette chanson donne le ton à la soirée, ça promet. En effet. Marthe, vous aimez Diane Dufresne? Diane Dufresne, ça dépend de ses chansons. Alors, vous connaissez Gaétan Bourdon? Lui, oui. Il aime beaucoup Diane Dufresne. C'est vrai? Gaétan Bourdon, c'est pas l'animateur de l'émission Rendez-vous sur les ondes du réseau télévision privée ITV? C'est ça. Les animateurs parlent beaucoup. Vous en savez quelque chose? Oui, nous en savons quelque chose. Mais il y en a qui chantent aussi. Gaétan Bourdon nous chante La dernière enfance. Thank you.
Philippe, j'aime ça. Ah ben vous n'avez rien entendu encore. Après non. avoir entendu Cristal Plamondon, vous allez aimer tous les styles musicaux. Expliquez-moi pourquoi. Parce que Cristal Plamondon touche à tout ce qui existe en termes de styles musicaux. C'est vrai? Et en trois langues à part ça. Trois langues? Oui. Elle chante en français, en anglais et en cri. C'est bizarre, hein? Parce que ce soir, elle interprète une chanson cajun d'Edith Butler. Cristal Plamondon. Dans la Louisiane, dans les bayous, je te donnerai rendez-vous. Oh, venir marcher du gumbo, et puis je prendrai le mot d'autre. Il fera beau, il fait chaud pour aller au bal. Yeah!
Ici CBXFT. Directement de l'auditorium du Jubilé à Edmonton, la Société Radio-Canada est heureuse de vous présenter le gala de l'inauguration officielle du Canal 11. C'est le 1er mars 1970, devant une salle comble à l'auditorium du Jubilé à Edmonton, que le réseau français de Radio-Canada faisait son entrée en onde en Alberta. Ce grand moment dans l'histoire a été souligné par un concert de l'Orchestre symphonique d'Edmonton et par le président de la Société Radio-Canada de l'époque. L'arrivée de la télévision française s'est faite plus facilement que dans le cas de la radio CHFA. L'histoire de la radio est une histoire de lutte et de débat. La télévision française est arrivée en Alberta en 1970, en plein dans l'ère de Pierre Trudeau, un gouvernement fédéral donc qui avait une oreille attentive aux minorités francophones à l'extérieur du Québec. On a rassemblé une vingtaine de mille noms. Je crois que c'est presque plus que ça, peut-être 25 ou 28 mille noms en l'espace d'une semaine. Et ce fameux rouleau, qui était le télégramme, le dit télégramme, a été remis en main propre à Gérard Pelletier, qui était secrétaire d'État, je crois, à ce moment-là. Et ce fut fait lors d'un banquet à l'hôtel McDonald. Et les gens étaient évidemment fous de joie quand on a entendu Gérard Pelletier dire « Bien, je suis à votre écoute et nous allons faire l'impossible pour avancer la venue de la télévision. » Bonsoir, mesdames, messieurs, et bienvenue à cette soirée très importante. Jean Patnaud, maintenant réalisateur à la télévision, a été la première vedette de CBXFT. Mais c'était vraiment agréable, puis on apprenait notre métier sur le tas, et puis on fallait vraiment expérimenter plusieurs choses, parce qu'on n'avait jamais eu de télévision française ici en Alberta. Alors, il a fallu au début faire une émission d'un quart d'heure qui s'appelait Jean et Jean. À ses débuts, Radio-Canada partageait l'antenne avec MITA, Metropolitan Edmonton Educational Television Association, le prédécesseur du réseau éducatif Access. Pendant les heures de diffusion en français, mis à part Jean et Jean, CBXFT diffusait les émissions du réseau français de Radio-Canada avec deux ou trois semaines de retard. L'entente avec MITA a duré trois ans, donc jusqu'en 1973. À ce moment, le satellite Anik est venu relier directement Edmonton à la tête du réseau à Montréal. Aussi, en 1973, une salle des nouvelles est venue s'ajouter à CBXFT, qui, malgré ses débuts modestes, s'est vite imposé comme informateur de la communauté francophone. Et depuis, l'évolution de la station et de ses artisans s'est faite assez rapidement. Merci à tous les artisans et administrateurs de CBXFT, la télévision francophone de l'Alberta. Merci. La télévision est importante dans la communauté et l'Association canadienne-française d'Alberta l'a reconnue lors d'une cérémonie pour souligner le 20e anniversaire de la télévision et le 40e de la radio.
Alors, merci à la girandole d'Edmonton. Philippe, je vous pose une question. Est-ce que vous giguez? Ben oui, évidemment, mais me voyez-vous giguer comme ça, non? Je sais pas si on doit le croire. Et vous, vous giguez? Non, moi, je ne gigue pas. Vous devriez vous inscrire. La girandole donne des cours. Oui, je sais, mais c'est pour les tout jeunes. De toute façon, une chose est certaine, c'est que les membres de la troupe, eux, dansent très bien, n'est-ce pas? Vous essayez de vous esquiver, là. Non, je veux pas... Non, mais passons donc à la chanson. Il me semble qu'on sera plus à l'aise un peu. Oui, c'est au tour de Roger Pellerin, un Acadien qui est venu vivre à Bonnyville, dans le nord-est de la province, qui vit là depuis 5 ans. Roger a d'ailleurs participé 2 fois au festival de Granby. Il interprète ce soir... la chanson « French Kiss ». Le 21 juin, c'est la fin des cours. L'excitation de la remise des prix. Le discours de la maîtresse, bonnes vacances les enfants. Surtout soyez prudents, bonne chance pour votre 5e année. Avec le professeur, je suis en amour. Même à 10 ans, l'amour toujours les tours. J'aimerais doubler ma 4e année. Au moins, j'aurai la chance pendant une autre année de pouvoir l'admirer, la fixer dans ma tête et tomber dans mon cœur, la femme de mon premier amour. Mon premier amour, il me reste une chance, c'est d'y aller sans retour. Mademoiselle Danielle, je vous inviterai au chalet, mais comme on n'en a pas, venez donc faire un tour dans ma cour. Je vous aime depuis le tout premier jour, et je suis sûr de vous aimer toujours. Jugez-moi pas à mon dernier bulletin, j'ai perdu l'appétit, je veux plus voir mes amis, j'ai plus le goût du hockey. J'ai lâché les croisés, je peux vous étudier. Quand on aime, on en sait assez. Yeah, assez. Mademoiselle Danielle, c'est vous, la femme de mon premier amour. Mademoiselle Danielle, c'est de vous que je voudrais mon premier French kiss. Mademoiselle Danielle, c'est de vous que je voudrais mon premier French kiss. Oh, oh. Mademoiselle Danielle, c'est vous, la part de mon premier amour. Mademoiselle Danielle, c'est de vous, mon premier French kiss. Mademoiselle Danielle, c'est de vous, mon premier French Depuis 20 ans, CBXFT, la télévision française de l'Alberta, s'est implantée dans le milieu albertain par l'entremise de toutes sortes d'émissions. C'est demain qu'aura lieu l'événement annuel de la francophonie albertaine, la Cabane à sucre. Le président du comité d'organisation de la Cabane à sucre, Ronald Aubin, est... Les Arrows de Houston ont impressionné beaucoup de gens hier soir en se plaçant sur le même pied que les Jets de Winnipeg dans cette série demi-finale. Ils ont écrasé les Jets par le compte de 7-2. L'information y a bien sûr joué un rôle de premier plan,
par ses émissions quotidiennes traitant de l'actualité et par les spéciales à l'occasion des élections provinciales. 60% des personnes inscrites sur les listes électorales avaient voté. En provenance d'Edmonton, nous vous présentons... La télévision de l'Alberta a aussi voulu innover en tentant de percer du côté des quiz, par exemple. Oui, à contrepoids. À contrepoids, il faut donner les règlements. D'abord, il y a trois catégories de questions, soit d'or, d'argent et de cuivre pour 30 $, 20 $ et 10 $. C'est à votre tour. Je vais essayer le cuivre, s'il vous plaît. Vous essayez le cuivre. Ah, là voilà. C'est ce que vous cherchez, la question mystère. Les fougères se reproduisent par des spores ou par des graines? Par des spores? Oui. Les spores comme le hockey, par exemple. Football, non, c'est pas ça. Les plus grandes victoires de la télévision française en Alberta furent sans contredit du côté des documentaires qui voulaient bien refléter le milieu dans lequel se retrouvait la télévision de Radio-Canada. Je suis maintenant une structure de pierre et de métal. Je suis un château de calcaire avec une toiture verte escarpée. C'est un loisir, ça nous donne du poisson. En 1985, l'industrie de la pêche, tant commerciale que sportive, a suscité des rumeurs. Il ne faut pas oublier la musique, qui est une expression vivante de la culture franco-albertaine. De célébrer. Le jeu. Et que dire des sports? CBXFT y était pour les événements les plus importants. À la ville de Calgary. Calgary! Eh bien, c'est la première fois que le Canada présentera les Jeux olympiques d'hiver. Et ce seront les deuxièmes Jeux olympiques de l'histoire présentés au Canada, puisque, comme on le sait, Montréal les a présentés en 1976. CBXFT a aussi été depuis 20 ans un reflet des Albertains ailleurs au Canada par ses contributions au réseau de Radio-Canada.
Chanson. Un très beau cadeau. Oh oui, puis avec la voix de Michel Landry, c'est encore plus beau. Une voix d'ailleurs qui a été entendue très souvent d'un océan à l'autre, puisque Michel Landry a participé au cours de sa carrière à plusieurs émissions qui ont été télédiffusées au réseau français de Radio-Canada. Et il chante aussi parfois à l'opéra. Et on aura peut-être l'occasion de le voir bientôt, encore là, d'un océan à l'autre, puisqu'il y a quelques jours, on l'a appelé de Toronto pour l'inviter à participer aux auditions en vue de la tournée canadienne de la comédie musicale The Phantom of the Opera. On lui souhaite beaucoup de succès. Je pense, Philippe, qu'on peut dire qu'en Alberta, on est choyé d'avoir autant d'artistes qui font leur marque. Oui, il y a ceux qui font leur marque, ceux qui l'ont fait, et il y a aussi ceux qui vont la faire, la relève. Absolument. Et la relève, ce soir, elle vient de Falaire. Elle s'appelle Laurélie Turcotte. Elle chante depuis l'âge de 6 ans. Elle est jeune, elle est jolie, elle est dynamique, et elle interprète Le soleil dans la nuit. Laurélie Turcotte. Thank you.
L'avez-vous vue? Qui ça? Mais celle qui a remporté le prix d'interprétation au Festival de Granby. Pas José Lajoie. Oui, elle, elle. Je vous dis que ce soir-là, le monde était fier à la Corée et partout en Alberta. On est heureux de la revoir chez nous, d'autant plus qu'elle est tout à fait ravissante. Oui, puisqu'elle attend un enfant, et c'est pour bientôt d'ailleurs. Ne vous en faites pas, c'est pas pour ce soir. C'est pour dans quelques semaines. Et ce soir, elle interprète la très belle chanson d'Yves Duteil, cette chanson sur cette langue qui nous unit tous et qui est notre raison d'être depuis 20 ans. José Lajoie, la langue de chez nous. Où l'on sent la musique qui le parfum des ailes, le fromage de chèvre et le pain de froment, et du Mont-Saint-Michel jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant parler les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une halle et qu'il en a gardé toutes les harmonies. Dans cette langue belle aux couleurs de Provence, où la saveur des choses est déjà dans les mots, c'est d'abord en parlant que la fête commence. Et l'on boit des paroles aussi bien que de l'eau. Les voix ressemblent au cours des fleuves et des rivières. Elles répondent aux méandres, au vent dans les roseaux, parfois même au torrent qui charrie du tonnerre. En polissant les pierres sur le bord des ruisseaux. C'est une langue belle à l'autre bout du monde, une ville de France au nord d'un continent, sortie dans un étau, mais pourtant si féconde, enfermée dans les glaces au sommet d'un volcan. Elle a jeté des ponts par-dessus l'Atlantique. Elle a quitté son nid pour un autre terreau. Et comme une hirondelle au printemps des musiques, elle revient nous chanter ses peines et ses espoirs. Nous dire que là-bas, dans ce pays de neige, elle a fait face au vent qui souffle de partout pour imposer ses mots jusque dans les collèges. Et qu'on y parle encore la langue de chez nous. C'est une langue belle à qui sait la défendre. Elle offre les trésors de richesse infinie, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre, et la force qu'il faut pour vivre en harmonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent dans une voix, et qu'il a composé toute une symphonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une voix, et qu'il a composé toute une symphonie. Thank you.
J'espère qu'elle est ravissante. Une très belle chanson. Les artistes que vous entendez ce soir, jusqu'à la fin de la soirée, sont tous albertains francophones. Les musiciens aussi sont franco-albertains. C'est la première fois dans l'histoire de la télévision française en Alberta que nous vous présentons un orchestre composé uniquement de franco-albertains. Vous voulez savoir leur nom? Oui. Gabriel Bugeaud, j'étais pour dire. Je pense qu'elle n'est pas dans l'orchestre. Pierre-Paul Bugeaud, son cousin, c'est pour ça que je me suis trompée. À la basse. Au saxophone, Paul Lamoureux. Dominique Roy à la trompette. Renaud Guimond à la batterie. Au piano, Bob Cassegrain. Sous la direction de Denis Bédard. Et tous ces beaux hommes... On accompagne encore une fois Gabriel Bugeaud dans la chanson « Benjamin ».
Quant à l'avenir, la télévision française de l'Alberta mise sur la jeunesse. Et tous les espoirs sont permis. N'oublieras pas non plus. C'est la fin de la corde. Mais c'est un miracle! Non! C'est un smacassant! Un coup! C'est le professeur Alcide Nitrique. Et voilà que tout se complique. Bonjour!
que la tristesse. On a beaucoup de peine à savoir ce qui s'est passé, puis ce que l'avenir va nous apporter. Je pense que ça touche énormément la vie des Franco-Albertains, dans le sens qu'il y a eu aussi une profonde inquiétude à savoir, dans ce débat...